Mais non. Salut. Bonjour, bonsoir. Ça va? Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, bonjour. Ça va? Ah oui. Mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, c'est un cours de crochet. Un cours de crochet? Voilà. En fait, on fait des crochets. Alors, l'objectif, c'est de faire un sapin en crochet. Un sapin en crochet? Voilà. Et je vais pas rester, moi, finalement. Ah, et s'il y a des couilles de Noël en crochet? Des couilles de Noël en crochet, bien sûr. C'est beau. Ouais, voilà, donc... Ça commence par un petit truc comme ça, voilà, on fait un petit anus au départ et puis petit à petit... Un anus au départ. Un petit anus de départ. Bien sûr. Qui a eu cette idée? Eh bien, elle est juste derrière vous. C'est Paulina. Mais c'est très grave. Mais c'est très grave. Mais comment ça se fait? Il faut que tu te dénonces, il faut... Oui, mais oui, mais regardez ce que je suis en train de faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est, montre-nous. C'est elle qui a cet objectif et qui nous a réunis aussi aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire un sapin à la fin, tu vois. Ah, très bien. Tu vois, donc, tu vois, je fais plein de petits boudins comme ça. Ouais. C'est un faux arbre que je mets, tu vois, je mets du scotch dessus, regarde, ça fait tout ça, là. Ah oui, oui, oui. Et ensuite, je mets tous mes petits bandeaux en crochet par-dessus. Je vois. Voilà, et demain... On est d'accord que ça fait un peu godemiché en laine. Un petit peu, d'ailleurs. Ça fait godemiché en laine, c'est ça. Bon, comment va la vie à part ça? Eh ben, ça va bien. Bon, je t'ai vu il y a pas longtemps, tu sais. Oui. Je suis venu te voir. On m'a dit. Ben oui. Ah, tu sais qu'il s'est même passé une chose, tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu m'as même embrassé. Ah oui. Je fais partie des 3 ou 4 personnes que tu as embrassées juste avant d'aller recevoir ton Oscar ou ton César, je ne sais plus, ton Oscar. Je crois que c'est un César. C'est un César. Ouais. Parce que t'es ému quand même de recevoir ça pour avoir joué Natacha Campouche. Je me suis octroyé ce rôle. C'est ça, tu remercies le ravisseur d'ailleurs. Oui. Sans qui rien n'aurait été possible. Rien de tout ça ne serait arrivé finalement. Comment c'est venu toutes ces horreurs? L'horreur de Natacha, en fait, je lisais vraiment le livre. Oui. Parce que je l'avais acheté pour le lire. J'ai une grande passion. Ce qui est déjà c'est une forme de perversion déjà. Oui, mais j'ai une grande passion pour tout ce qui est fait divers, d'accord. En série, tout ça. Donc j'avais acheté le livre et je le lisais et j'ai une copine qui m'a dit « Mais mon Dieu, tu lui ressembles, c'est incroyable !» Donc on avait fait une photo, tout ça. Et après, je sais plus, je crois que c'était dans le spectacle, je l'avais intégré comme ça. Puis après, avec mon auteur, on a développé jusqu'à cette remise de prix à laquelle tu as assisté. C'est ça. Toi, t'as vraiment commencé le théâtre à 9 ans? Oui. Ça, c'est pas un truc faux, c'est pas... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, le théâtre? Moi, j'étais... Mais non. Non, j'étais... On croit. Non, j'étais en cours, je sais pas, j'avais 9 ans, il y a ma copine Gladys, Gladys Lateltin. Je l'ai pas revue depuis, mais... C'est dommage, parce que avec un nom comme ça, ça aurait mérité que la voix. Gladys Lateltin, elle me dit, il y a une porte ouverte... Gladys Lateltin. Lateltin. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom. C'est typique. Mais on sait pas ce qu'elle devient. Bah, elle est à Lyon, je l'ai pas revue, je sais que... Oui. Je crois que ma maman a croisé sa mère, enfin bref. D'accord. Et donc elle me dit... Et mon papa a croisé sa maman aussi. C'est ça. Et bah, elle me dit, ils font des portes ouvertes dans mon cours de théâtre. Donc elle prenait déjà des cours. Oui. Et j'ai dit, bah ok, je viens mercredi. Et puis ça a commencé comme ça, puis j'ai fait des cours de théâtre, tu vois, avec le spectacle de fin d'année et tout ça. Et puis ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord. Parce que regarde où ça l'amène aujourd'hui. Non mais attends, le mec il sait même pas coudre, ou je sais pas quoi, ou tricoter. C'est de l'art abstrait. C'est, oui. Bah, non, ça c'est une bite. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une thématique quand même dans cette soirée. L'autre il monte des anus, l'autre il monte des bites. Non, mais... On est en train de préparer un sapin de Noël. C'est quand même oui, mais en général, moi mes sapins de Noël, il n'y a pas d'anus et de bites, hein, et ni de couilles. Ça part comme ça, mais après tu vas avoir une petite boule après. Tu vois. Ouais, bon, on est encore une petite dedans. Boule voilà. Tiens, tu... Mais il y a des couilles. Paulina, c'est très douteux quand même. Et donc là, il y a une chatte, effectivement. C'est effrayant. Comment elle s'appelle cette chatte? Non, c'est un chat. Ah, c'est un chat. Non, parce qu'on ne sait plus ici, oui, c'est ça. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Bibi. Bibi? Oui, Bibi. Oui. Ah, très bien. Oui, ça va, il n'a pas l'air épouvanté du tout, sinon. Non, il a l'habitude. Très heureux de qu'on soit là, que je sois là, que je sois venu. J'adore la tenue, hein. C'est génial. Ça, c'est pas toi qui as fait, c'est des choses non, que tu as été récupérées. Mais c'est bien. C'est vieux. C'est bien. Et j'imagine que bref, ça change beaucoup de choses ou pas? Alors, bref, change le nombre de gens dans la salle, peut-être. Bref, il y avait une bonne fréquentation du spectacle. Ça a ouvert d'autres personnes. Ouais. Et je suis contente que les gens viennent découvrir le spectacle grâce à ça. Et puis, bref, c'est dans la rue des mecs qui me regardent comme le plan cul régulier. Et t'es assez contente quand on regarde comme le plan cul régulier. Mais, tu sais qu'on est tout habillé, il n'y a rien, on voit rien et tout. Mais parfois, j'ai comme l'impression d'avoir bifurqué dans une autre voie. Ça. Je vois des ados, les ados surtout, ils me regardent. Ma mère, elle me dit, t'as vu comment ils te regardent, les ados? Je me dis, je suis un peu leur Tabata Cash. C'est ça, c'est ça. Je suis un peu fière. Ben, bien sûr, je comprends. Tabata Campouche. Tabata Campouche. Tabata Campouche. Pas mal, oui, d'accord. Elle a l'air
Je veux bel et bien. Elle a le front blanc, bel et bien. Ça fait 10 ans qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur, qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blanc, Belinda.